Salut, c'est Fred, j'espère que tu as la forme. Si tu ne me connais pas, je suis web entrepreneur et accompagnateur pour oser vivre ta vie. Yes, mon fameux yes, ok. Donc si tu me vois régulièrement, t'as là, tu sais que ce yes, je l'emploie beaucoup. Bon voilà, c'est vrai que ça fait partie d'un de mes ancrages, alors du coup j'ai tendance à le répéter assez facilement. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo. En fait, cette vidéo, je vais te la faire parce que j'étais en train de faire mon bricolage, là, faire de la peinture et tout. Et puis, je regarde, je me fais une petite pause, tu vois, et je regarde sur les réseaux sociaux, comme ça, hop, voir les commentaires et tout par rapport à la vidéo du jour qui est partie, que j'ai publiée aujourd'hui. Et puis, je vois un mec qui met dans un commentaire sur un groupe, il dit ouais, le développement personnel, c'est de la merde, c'est que pour les gonzesses, voilà. Et je me suis dit, ah ouais. Tiens, c'est intéressant, ça m'a donné envie de faire cette vidéo, tu vois, parce que la majorité de ma clientèle, de ma patientèle, sont des femmes, et comme je côtoie pas mal de thérapeutes, enfin d'artisans du bonheur, parce que j'aime bien les résumer et les regrouper sous ce terme, ok, donc j'en côtoie quand même pas mal de plus en plus avec les interviews, et il s'avère que majoritairement ce sont des femmes, et majoritairement, leurs patients ou clients sont des femmes également. Donc voilà, je voulais t'inviter, toi, si tu es un homme, justement, et que tu te dis que tu as ce type de préjugé à te dire « Ouais, développement personnel, c'est un truc de gonzesse, leur bouquin de psychologie, machin, etc. » Voilà, bon, les clichés, quoi, tu vois. Faut avoir... Je vais être cru, tu vois, dans ce que je veux dire. Bon, t'as peut-être l'habitude, si tu me regardes régulièrement, c'est vrai que j'ai tendance à être un peu vulgaire. Mais là, je vais peut-être l'être encore plus, tu vois. Faut avoir une sacrée paire de couilles, tu vois, pour avoir le cran de se regarder en face, de se remettre en question et de travailler sur soi-même. Donc, le développement personnel nécessite beaucoup de courage, de volonté, d'audace, de persévérance, de détermination. La volonté, ouais, c'est vraiment la volonté à accepter le changement dans sa vie, c'est vraiment un point très important. Et le courage. Donc, ouais, je suis pas surpris que la majorité des femmes, que soit une majorité, que la patientèle en général soit majoritairement féminine, tu vois, ça me surprend pas trop, parce que quand même, elles sont capables d'endurer des trucs bien plus conséquents que les hommes, ok? En tout cas, dans une certaine généralité, à ce que moi j'ai pu en observer, bien sûr, hein, c'est pas un fait accompli, une vérité absolue, mais en tout cas, dans ma vision du monde, y a de ça. Moi, en tout cas, c'est ce que j'en constate. Et ouais, je peux te dire que les gonzesses, elles envoient du lourd, mon pote. Elles envoient du lourd. Parce que c'est peut-être la majorité de la patientèle, effectivement. Mais elles font preuve d'une ouverture considérable. Et je crois que c'est grâce à ma part féminine, parce qu'on a tous en nous un côté masculin et féminin, d'accord? Et je crois que c'est parce que j'ai su cultiver depuis l'enfance ma part féminine que j'ai su, comme ça, m'ouvrir aux opportunités de la vie, m'ouvrir à la vie, m'ouvrir à moi-même et m'éveiller en conscience. Voilà. Et qu'aujourd'hui, je suis en capacité, justement, maintenant, d'accompagner des personnes comme ça pour sur leur chemin. Voilà, pour oser vivre leur vie, pour résumer. Donc, de lire ce genre de commentaires, genre, développement personnel, c'est un truc de gonzesse, etc. Tu sais, le mec un peu macho, voilà, qui roule de la mécanique comme ce chat, bonhomme, moi, qu'est-ce qu'il y a là, ouais, dis donc, ouais. Pourquoi pas, c'est une étape dans la vie, effectivement, c'est une étape dans la vie, mais il n'y a pas que ça. Voilà, tu peux aussi travailler sur toi, prendre du recul et donner un sens nouveau à ta vie qui est bien plus profond que ce côté viril, macho. Voilà, il faut paraître un bonhomme, il faut sembler ceci, sembler cela. Voilà, il y a possibilité vraiment de faire des choses bien plus sensées, voilà, dans la vie. Voilà, donc c'était une petite vidéo un peu coup de gueule, voilà, pour à la fois mettre en avant mon soutien pour la gente féminine, parce que j'avoue, je mets la femme à un niveau un level assez élevé, voilà. Pour moi, oui, je mets la femme à un level assez élevé, voilà. Mais
L'homme a aussi sa part, ok? Et pourquoi pas mettre l'homme à un niveau tout aussi élevé que la femme, hein? Voilà, la femme, pour les féministes, revendique l'égalité. Eh bien, vous les hommes, qui regardez cette vidéo, vous êtes peut-être pas tous, hein, mais peut-être que certains d'entre vous auraient besoin de remonter le niveau, tu vois, en investissant sur vous-même, d'accord, en se remettant en question, en travaillant sur soi, voilà, en faisant un accompagnement du développement personnel. On parle de connaissance de soi, épanouissement de soi. Voilà, on y met un peu tous les mots qu'on veut, mais finalement, au fond, c'est s'ouvrir à soi-même, comprendre qui l'on est, comment est-ce qu'on fonctionne, comment on est créateur de sa vie, et voilà, et donner du sens à sa vie. Et tu vas voir, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça impacte sur tout ce que tu vis. Plus tu t'ouvres à toi-même et plus le champ des possibles s'ouvre. Et c'est vraiment extraordinaire ce qui se passe, y compris dans ta vie familiale. Voilà, dans ta vie familiale, voilà, je ne vais pas m'étaler plus. Mais c'est une véritable ouverture, s'ouvrir à soi, c'est s'ouvrir à la vie. Et ça t'ouvre des choses extraordinaires que tu n'imagines même pas. Voilà. Donc, si tu es un mec, ok, et que tu veux investir en toi, eh bien écoute, rejoins-moi dans la description de la vidéo, il y a mes coordonnées, tu peux me contacter, on prend rendez-vous pour un accompagnement personnalisé. Si tu préfères faire un truc dans ton coin, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, il y a aussi le programme en ligne, le programme que j'ai conçu exprès justement pour apprendre à croire en soi et avoir confiance en soi et améliorer l'estime qu'on peut avoir de soi-même. Donc tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Voilà. Et puis, messieurs, vous qui êtes, pour ceux qui sont... dans ces dynamiques d'ouverture, voilà, qui travaillent sur eux, qui sont dans le développement personnel, connaissance de soi, bref, peu importe le mot, voilà, venez commenter ces vidéos, voilà, venez enrichir ces vidéos de « yes, ça vaut le coup les gars, de s'ouvrir, ok ? Allez, on relève la barre des mecs là, d'accord ? On relève le niveau les gars, ça vaut le coup de s'ouvrir, allez les mecs, venez commenter cette vidéo, faire part de vos témoignages, voilà, dire tout ce que ça vous a apporté dans la vie, de vous ouvrir à vous-même. » D'accord, venez partager ça pour montrer, ok, pour attirer comme ça, pour aider ceux qui sont encore fermés, qui ont peur de se bouger, ok, de leur montrer que hey, on peut, ok, c'est pas parce qu'on est un homme ou qu'on est une femme qu'on peut pas s'ouvrir à soi-même, hein. Peu importe, sortons des clichés, sortons des idées reçues, balayons tout ça, ok, ouvrons-nous à la vie, nous sommes quelque part, nous sommes tous égaux, hein, ok. Bon, on est tous des humains, après tout. Voilà, c'était mon coup de gueule et message du jour, yes. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, comme ça, je t'invite à liker, commenter, tu l'as compris, ok, c'est un mec, commente, ok, mais les filles aussi, bien sûr, vous pouvez commenter, mais là, j'ai envie d'avoir des avis de gars qui sont ouverts pour en entraîner d'autres à s'ouvrir, d'accord. Bon, et partage cette vidéo un max, ok, et bien sûr, abonne-toi, comme d'habitude, bon. Ce coup-ci, je te laisse pour de vrai. Ose vivre ta vie, prends soin de toi parce que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Tu es rare, tu es précieux, tu es une merveille de l'univers. Voilà. Prends soin de toi. À demain. Ciao.